C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir de grands défenseurs de causes essentielles, le cinéma et la liberté d'expression. On est actuellement harcelé, mais continuellement harcelé, semaine après semaine, à chaque fois qu'on ose caricaturer un curé ou un prêtre ou une bonne sœur, par des associations très militantes, des associations catholiques et catholiques intégristes. Alors, pour l'instant, tout se passe assez bien et les tribunaux ont toujours été assez tolérants par rapport à l'humour, par rapport au droit à l'humour, parce qu'ils considèrent que seul le public peut censurer ou peut apprécier le mauvais ou le bon goût de la satire ou de la parodie. Richard Malka, ravi de revoir ces images. J'ai eu des cheveux. Vous avez eu des cheveux. Et quand même, vous aviez 24 ans quand vous êtes devenu l'avocat de Charlie Hebdo, qui était à l'époque attaqué par les catholiques intégristes. Notre deuxième invité est délégué général du Festival de Cannes depuis 2007, fondateur du Festival Lumière à Lyon, mais surtout... Je demande quelle archive va arriver. Judoka hors pair, ceinture noire, quatrième dan, aussi à l'aise sur un tatami que sur le tapis rouge du Festival de Cannes. J'ai peur. Tout de suite, objection, votre honneur. Richard Malka pense qu'il y a des invités qui sont privilégiés. C'est sûr qu'on vous a plus gâté avec ces images qui nous ont terriblement manqué cette année. Oui, hein. Oui, à nous aussi, surtout Julien Roberts. On espère que les retrouvailles se feront avec accolade et pas avec salutations masquées. Et pas de coup de coude. Ouais. Oh, maintenant, ça devient un peu mode de se checker du coude. Ouais. On est ravis que vous soyez restés avec nous pour évoquer vos ouvrages respectifs, votre deuxième roman, Richard Malka, que j'ai adoré, Voleur d'amour, et un récit autobiographique tiré dans lequel on découvre une multitude de points communs. Alors là, franchement, bravo, entre le judo et le cinéma, tout donné à la fin du 19e siècle, avec des prises et des chutes dans les deux univers, de la compétition et des tapis. Et c'est sur un tapis que vous avez compris que la culture pourrait sauver le monde. Un tapis de judo. Oui, parce que le judo est un sport plein d'histoire, plein de mémoire, plein d'érudition, avec des maîtres, comme en cinéma. Le sport, d'ailleurs, globalement, c'est comme le cinéma. Il y a des grands maîtres, il y a des maîtres moyens, il y a des gens qui ne sont pas très bons, mais qui deviennent très bons d'un seul coup. Il y a des cinéastes pas très talentueux qui tombent sur le bon scénario et qui font un beau film. Et oui, j'ai appris avant le cinéma, sur un tapis de judo, ce que c'était que le collectif, ce que c'était que l'obéissance. Et puis, le sport méconnu que pouvait être le judo à cette époque-là, ça vous a initié à l'obscurité des passions cinéphiles, oui, à l'inclination pour les artistes oubliés. Oui, parce que quand on est judoka, ce n'est pas le sport à la mode. Et être cinéphile de cinéma classique ou d'un certain cinéma d'auteur, oui, ça ne vous incline pas non plus à penser que tout le monde s'intéresse aux mêmes choses que vous. Et sans le judo, vous ne seriez pas devenu le monsieur cinéma que vous êtes devenu ? Je pense pas, non, parce que le judo m'a donné une confiance. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de choses grâce au judo qui, si j'ose dire, quand je suis arrivé à ces fonctions-là, je les avais faites. Avoir ma tête dans le journal, c'est petit, je l'ai eu parce que j'avais gagné une compétition. Donc c'était fait, ça. Et puis, j'étais déjà un peu l'intellectuel sur les tapis de judo. Et dans les milieux intellectuels, j'étais le sportif. Et je ne dis pas que les deux milieux se sont toujours parlé. Aujourd'hui, aimer le sport, c'est une chose, faire du sport, c'est une chose naturelle. Quand j'ai grandi, ce n'était pas complètement ça. Donc, c'est pour ça que je parle un moment de la façon dont certains grands champions étaient méprisés, n'étaient pas aimés. Ça s'est fait plus tard. Et puis, donc je pense que le sport défend des valeurs et des vertus qui sont bien dans la vie. Cinéma bien essentiel, tout comme la liberté d'expression, ou l'expression tout court. Richard, ce deuxième roman, vous l'avez entamé juste après les attentats de 2015. Il est violent, il est habité. Vous y avez, on le sent, jeté toute votre noirceur. Oui, c'était un moment où j'étais habité par des passions tristes, la colère, la rage, la tristesse, l'amertume. Et dans ces cas-là, moi, j'ai besoin d'écrire et c'est comme ça que je me soigne. Et j'ai mis toute cette noirceur, ce côté ténébreux dans ce livre.
Et du coup, j'ai sublimé ces mornes passions en en faisant ce que moi je crois être une belle histoire, en tout cas pour moi. J'en ai fait en tout cas quelque chose de créatif. Et voilà, ça m'a aidé à traverser cette période. Un voleur d'amour, une sorte de vampire, mais vampire de l'énergie vitale en quelque sorte. Alors votre premier roman s'intitulé Tyrannie, ça racontait 25 jours d'un procès, quelque chose d'assez proche de vous. Vous parliez d'une outrance de vous-même. Et là donc, comme le disait Babette, on découvre que le héros de votre nouveau roman, le voleur d'amour, est un vampire. On peut dire une outrance de vous-même aussi. Un vampire qui se nourrit de l'amour de ses victimes en les embrassant, je vous lis. Je viole par mes lèvres les citadelles les mieux gardées. Mon hormone vorace s'introduit dans le corps d'autrui et extrait la sève de mes victimes pour s'en nourrir. C'est une transfusion forcée. D'où vous est venue cette idée ? Je ne sais pas. Écrire, comme plaider d'ailleurs, c'est pratiquer une sorte d'errance à l'intérieur de soi-même. Et puis on tombe sur des parts ténébreuses, des parts lumineuses, parfois sur des idées. J'aime cet univers gothique, j'aime l'univers romantique qui est associé au vampire. Alors là, c'est un vampire qui effectivement ne suce pas le sang, mais qui s'abreuve de l'amour physiologiquement des personnes qui l'embrassent. Et il en tire son immortalité, y compris sa mère, et en plus, il en décèle les infinies saveurs. Donc voilà, ça devait être quelque part en moi et j'en ai fait ce livre. Qu'est-ce qui vous fascine chez les vampires ? Est-ce que c'est la nuit, la manière d'éclairer autrement, sous un autre jour, si je puis dire, les gens, dont vous ? Est-ce que c'est le donjuanisme ? Est-ce que c'est l'immortalité ? Est-ce que c'est un peu de tout ça ? Je crois que c'est la liberté surtout. À nouveau, il est amoral. Il n'est pas malveillant, mais il est amoral. Il est aussi justicier, il est aussi en colère, il traverse les époques, la Révolution française, la Première Guerre mondiale, Constantinople, il se balade sur les continents. Il a sa part de lumière aussi. Il a sa part de lumière, absolument. Juste une petite question. Il aime, oui, il désire, l'aime. Il éprouve du plaisir. Il éprouve de la débauche, il éprouve un amour fou qui transcende les siècles. Il est complexe, comme nous le sommes tous, parce qu'on a tous ces problématiques en nous-mêmes. Il se sent coupable, il a cette culpabilité. Sur trois siècles, c'est long. Ça pèse. On l'éprouve longuement. Donc voilà, mais c'est une métaphore de ce que nous sommes. Est-ce que vous allez l'offrir à vos clients ? Parce qu'ils peuvent s'inquiéter à la lecture. Ouais, mais on ne s'inquiète pas trop. J'ai pris l'habitude de sortir des cases. J'avais écrit beaucoup de bandes dessinées avant, donc ils sont habitués, mes clients. Oui, à des bandes dessinées, beaucoup avec la bande de Charlie, d'ailleurs, non ? Alors, un peu avec la bande de Charlie, ce qui a donné effectivement quelques grands succès, en particulier avec Riz sur la face cachée de Sarkozy, et puis avec d'autres grands dessinateurs. Ça vous plairait, l'immortalité, ou pas ? Ah, j'adorerais ça. Mais en même temps, on voit la lassitude que cela provoque, y compris la lassitude de la chair, du plaisir, du désir et la quête d'amour qui n'est jamais assouvie. Délégué général du Festival de Cannes, mais pour l'éternité, Thierry, vous prenez ou pas ? Non. D'abord, il faudra savoir céder sa place. Et puis même, non, enfin, si, dans l'absolu, oui, parce qu'on s'amuse bien, quand même. Ah, bon, bah oui, alors. Mais dès qu'il s'agit de laisser sa place, finalement, je prends l'éternité. J'ai répondu quoi, finalement ? Oui. Que oui, si c'est avec Pierre. Oui, si c'est avec Pierre, voilà. Ton livre, Thierry, c'est pas comme si on se voyait de temps en temps, on se tutoie tous les jours, je vais pas faire semblant, parce que tu passes c'est à vous. Ton livre a la force, la diversité et la profondeur de ces six lettres qu'on voit sur la couverture, judoka. Tout ce que ce sport a apporté à un jeune homme que sa mère a inscrit un beau jour, alors qu'il ne voyait pas très bien ce qu'était le judo, avec son frère et sa sœur, et qui va se passionner dès les premières présences sur le tapis. On pourrait même dire dès la première chute, car tu commences ton bouquin dans ce monde-là, tout commence par une chute. Pour ceux qui n'ont jamais fait de judo, qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Ça veut dire qu'on apprend d'abord à tomber, on n'apprend pas à projeter, il ne faut pas se faire mal. Et en effet, c'est une sorte de première leçon physique et première leçon symbolique. C'est-à-dire que de chuter, de bien savoir tomber, fait qu'on n'a pas peur de tomber, puisqu'on ne se fera jamais mal.
tu écris même, parvenir à tomber, c'est déjà savoir se relever. Oui, parce que là aussi, c'est se relever en pleine forme, se relever en sachant ce qu'on va faire, et savoir surtout qu'il n'y a pas d'humiliation par la défaite. Si on a tout fait pour gagner, si on a combattu. Et donc, ça, on l'apprend chez les gosses tout petits. Tu nous livres 1000 clés sur la société japonaise, sur le judo et son créateur, Jigoro Kano, ta ceinture noire, 4e dan, et tes titres, tu en parlais tout à l'heure, et ton expérience aussi de prof de judo. Oui. Tu as fait tout le soleil. Oui, parce que c'est naturel. On apprend, un maître s'est dévoué à vous, et vous avez envie de vous dévouer à votre tour. Aux élèves. Et donc, moi, en effet, je pensais même que ça serait ça ma vie. Justement, j'ai dit que porter des bobines de films à l'Institut Lumière, c'était déjà travailler dans le cinéma. Déchirer des tickets à l'entrée des salles, moi, ça m'aurait suffi dans la vie. J'aurais dit, je travaille dans le cinéma. Et là, être professeur de judo jusqu'à la fin de mes jours, de l'éternité, ça m'aurait convenu très bien. Et j'ai des amis qui sont toujours sur les tapis, et je trouve ça super. Tu en parles beaucoup. Et puis ensuite, tu racontes ton éloignement, presque une rupture temporelle pour le cinéma et ta passion, aussi bien pour les films de patrimoine à Lyon que pour les films du monde entier à Cannes. Aujourd'hui, tu as 60 ans, et ce livre passionné, avec ta précision en même temps d'universitaire sur tous les sujets, c'est un voyage vers l'enfance. Tu cites Truffaut, « Revenir à l'enfance, c'est à la fois une joie et une souffrance ». Ça a quand même été surtout une joie. Oui, oui, c'est surtout une joie, mais c'était aussi une souffrance, parce que je raconte comment j'ai remis le kimono une dernière fois et presque à l'improviste, et je me suis fait un peu mal, donc il faut réapprendre à chuter, réapprendre à tomber. Bonne leçon aussi. Oui, je ne sais pas, Thierry, si tu connais cette archive, avec une voix reconnaissable, bien sûr, comme dans tous les docs de l'époque. On est en 49, et aux actualités françaises, on présente le judo, qui permet aux hommes faibles et chétifs de s'assumer, mais aussi aux femmes de se défendre. Le judo est par définition un sport d'attaque et de défense. C'est la raison pour laquelle les femmes ne dédaignent pas de s'y adonner, et le plus souvent avec un succès déconcertant pour le partenaire masculin. Car s'il est un sport chevaleresque, le judo qui insuffle la force au plus faible détruit le prestige du sexe fort. Et si vous éprouvez, messieurs, le besoin de vous montrer galant hors de propos, demandez d'abord à votre victime si elle n'est pas ceinture noire. Ce sera plus sage et tellement moins humiliant. C'est pas mal. Ah, il est formidable. Je pense d'ailleurs à tous les... Parce que là, les clubs sont fermés. Ouais. Là aussi, on revient à culture, sport. Les clubs sont fermés, donc il y a plein de gens qui ne peuvent pas pratiquer, des profs qui ne peuvent pas travailler. Et c'est dommage. Et il faut pas... C'est comme le cinéma. Il faudra bien penser à revenir et inscrire les enfants au judo. Je dis aussi qu'au judo, on calme les impatients et on excite les timides. Mais c'est un peu ça. C'est aussi, c'est comme en cinéma. Est-ce que les scènes qu'on vient de voir peuvent être, et la ceinture noire 4e dame, peuvent s'assimiler quelque part aux négociations qu'on peut avoir pour avoir des films auprès des cinéastes et des producteurs? On n'en vient quand même jamais aux mains. Oui. Mais dans rapport de force. Oui, dans rapport de force, puis dans l'idée que, encore une fois, mais ça, les juristes savent ça aussi, qu'on montre sa force quand on n'en est pas sûr. On exprime le besoin de la montrer parce qu'on n'est pas sûr qu'on l'a. Alors que nous, on en est sûr, donc on ne la montre pas. Et je vois Richard Malka acquiescer, opiner. Plaider, c'est aussi comparer à un sport de combat, de temps en temps. Vous avez une arme secrète, le sourire que vous... votre sourire bouclier. Depuis que vous êtes rentré sur ce plateau, vous ne l'avez pas lâché, quelle que soit la gravité des propos que vous avez tenus. Ce sourire bouclier, on vous l'a déjà fait remarquer à de nombreuses reprises, parfois reproché d'ailleurs, parce qu'il est mal interprété, mais c'est votre marque de fabrique et c'est essentiel. Je l'ai depuis l'enfance, donc je ne sais pas faire autrement. Je pense qu'effectivement, c'est une mise, c'est ce qui permet de mettre à distance les êtres vivants, les émotions, les choses. Et puis, c'est une protection, clairement. Mais je ne saurais pas faire autrement. Puis, c'est peut-être aussi parce qu'il faut garder un petit sourire toujours à l'intérieur de soi. Ça ne fait pas de mal. Et plus c'est grave et plus c'est angoissant et anxiogène, plus il faut garder cette distance malgré tout. C'est comme Jean-Claude Carrère, il n'y a pas une journée où on ne doit pas rire. Et peut-être sourire.
Et puis vous êtes devenu avocat, pas tout à fait par vocation, si j'ai bien suivi. C'est parce qu'une amie s'inscrivait en droit que vous l'avez suivi. C'est vrai, c'est un pur hasard. Elle se serait inscrite. J'avais fait des études plutôt scientifiques. Ouais. J'ai jamais eu cette vocation. Mais même en faisant du droit, je me suis jamais dit que j'allais être avocat. C'est fou ça quand même. On sait plutôt être prof de droit ou peut-être journaliste. Ça s'est fait comme ça, mais je dois avoir une bonne étoile parce que je pense qu'aucun autre métier ne m'aurait mieux convenu et ne convenait mieux à ma nature. Donc vous lui dites merci souvent à cette amie. Et elle a ma bonne étoile. Et puis vous ne vouliez pas faire de pénal, là aussi on retrouve la sensibilité, le sourire. Oui, mais alors ça. C'était trop violent pour vous. Oui, mais alors à chaque fois la vie m'a rattrapé parce que je n'ai pas voulu faire de pénal pour me protéger et j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'aime pas montrer mes émotions et je finis par écrire un livre où j'en montre beaucoup et où je parle d'amour, ce qui est le plus compliqué au monde. Mais je crois qu'on finit toujours par se confronter. En tout cas, quand on veut se dépasser, on va au-devant de ses pires difficultés où la vie vous y amène. Pourquoi c'est si compliqué de parler d'amour, Richard Malka ? C'est ce qu'il y a de plus dur au monde. De parler de soi et de parler d'amour, je ne sais pas très bien faire ça parce que je ne sais pas, je dois avoir une pudeur et parce qu'on est dans l'intime. Et parce que, mais pour finir, j'ai passé 216 pages consacrées à ces 1000 variations de l'amour. La vie vous emmène toujours là où vous n'avez pas réglé des choses. C'est-à-dire que ce héros-là, il est assez troublant. Donc c'est un peu vous qu'on découvre au fil de ces 216 pages. On vous connaît mieux lorsqu'on a terminé. Et alors ? C'est pas mal. C'est même très bien. Donc Marion, transition pas très facile, mais effectivement la vie vous amène là où vous ne vous y attendiez pas. 92, vous rencontrez la bande de Charlie Hebdo. Vous avez à peine 24 ans et vous défendez déjà le journal. Non, on l'a vu. Ah bah non, pas du tout. Bah oui, écoutez, alors. Je suis troublée, de toute façon, j'entends plus rien. Il y avait des cheveux, c'est ça ? Et vous aviez des cheveux. Est-ce que vous voulez revoir fait. Cette archive ? Non, merci. Est-ce que vous voulez revoir vos cheveux ? Parce que c'est le moment. Plus sérieusement, j'imagine que les relations avec les membres de Charlie, c'était vous êtes cruel. Injouable. Quel souvenir vous gardez de ces années-là ? C'est un souvenir des jours heureux. On en parlait. On se marrait, on se découvrait, on a grandi ensemble, on a fait les cons ensemble, on a combattu ensemble, on a traversé des épreuves ensemble. C'est une vraie tribu. C'est la légèreté. C'est le temps de la légèreté. On l'a perdu, cette légèreté. Je voulais poser une question à Thierry, le judoka. Le Jigoro Kano, qu'est-ce qu'il penserait, je ne sais pas si tu en as une idée, de Teddy Riner aujourd'hui? Ah bah, il en penserait du bien parce que Teddy est un beau judoka sur le plan technique et puis c'est un exemple sur le plan moral. Donc il est très bien dans la discipline. Non, il serait content et en plus il retrouverait quelque chose de l'histoire qui est que les Français sont très bons au judo. Et c'est comme en rugby où il y a le French flair, il y a un style français dans le judo aussi aujourd'hui. Par les judokas et surtout par les judokates. C'est les judokates qui sont très fortes en France et qui sont championnes du monde, Clarisse évidemment, et tous ces gens-là. Et je voudrais juste dire que on avait reçu, tu n'étais pas encore là, je crois, j'étais avec Jules Jacob, Richard et toute la bande de Charlie, pour le film de Daniel Lecomte, C'est dur d'être aimé par des cons. C'était le film qui racontait que vous aviez gagné. Et il y avait sur scène, ça avait été formidable, vous étiez tous marrés, y compris avec des gens qui avaient été dans vos adversaires. Et oui, quand on parle de jours heureux, ça veut dire que c'était possible de parler de ça légèrement. Ça avait été une fête, cette projection, la fête de la liberté d'expression. Et après, c'est toi qui m'avais appelé pour me dire voilà ce qui s'est passé. Et de se revoir là ce soir, c'est fort, ouais. Parce que c'était en 2008, mais on dirait que c'était il y a 25 ans. Et c'était encore une fête de parler de la liberté d'expression. Oui. De pouvoir défier. Avec le débat sur ceux qui voulaient mettre le smoking et ceux qui ne voulaient pas. Hein, pour monter les marches à Cannes dans l'équipe. Oui, parce que Cannes-Charlie, c'était pas évident. Non, c'était pas évident.
Oui, 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 il faisait, mais on vous avait mis dans une salle où il y en a qui étaient, ils ne s'étaient pas tous habillés d'ailleurs. Non. Mais José Bové était venu et il arrive en smoking au pied de marche. Je dis, José, quand même, pas mal. Il dit, on m'invite, je respecte les codes de ceux qui m'invitent. Et il était venu en smoking. On a envie tout d'un coup de voir José Bové en smoking. Ah, mais oui, je vais me précipiter pour aller trouver cette image. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Richard Malka, Le voleur d'amour, 216 pages pour découvrir l'homme qui défend la liberté d'expression et puis surtout un formidable héros immortel qui vampirise l'énergie et l'amour de ceux qui l'aiment et ça traverse les siècles. Et judoka Thierry Frémaux, ce récit autobiographique jubilatoire, plein de chutes, de tatamis, la première et la dernière. La première et la dernière. Merci beaucoup à tous les deux.